Do it. On est avec Aurélien et Davidi pour la première pause. Comment ça s'est passé, les gars? Aurélien, je crois que tu as touché deux carrés. Bah, dont c'est un, facile. Dont un dès la première main, paire de 10, flop 10, 10, 3. Une demi-heure plus tard, la même. Voilà, sympa. Sympa. Davidi, comment ça se passe ta table? T'as qui à ta table? Ouais, j'ai une belle table, je pense. Globalement, j'ai une belle table. Mais ouais. J'ai fait un très mauvais départ. Après, genre, le premier tour, j'étais plus qu'à 20 000. Okay. Je perds un gros tirage, 8 et 9 de carreau sur 17, 4 de carreau. Et bon, ça m'a coûté cher, il a overbet turn, j'ai call et bon, c'est pas venu. Mais je suis remonté à 31, donc tout va bien, je suis assez confiant parce que la table est assez belle. Je crois que j'ai chaté dans le tirage de table. Quand on voit toutes les tables autour, il y a un virage Ivy, Messina, Nico Lévy, ouais. Thomas Bichon, Jérôme Zerbib. Donc tout ça dans la même table? Tout ça dans la même table, dans le même virage. Ouais, moi j'ai que des Français quasiment ouais. à la table et les seuls étrangers qu'il y a et qui sont les plus pénibles à jouer, j'ai toute la position sur eux. Okay. Voilà, par contre j'ai toujours un siège vide. C'est le siège numéro 1, alors je suis le siège numéro 10. Tu sais jamais qui c'était quoi. La dernière fois que je me souviens, j'avais le souvenir de siège vide à Vegas, c'était Ivy qui était venu s'asseoir. Donc, oui, bon, il est déjà là, donc c'est bien. J'espère que ça sera plus. Ça sera pas lui, non. Il y a Douane qui doit arriver. Hein. Faites les jeux, c'est à siège vide à S'il arrive, je pense que j'irai faire la sieste. Ok, les gars. Bon, bah, bonne chance. Et puis à tout à l'heure, on se voit tout à l'heure. Ça marche. Allez, salut. Comme on l'a dit.